Dadanyo, Fofonyo, Togobe Hadito Gospel, Kedio Dani Korobenadi, Delali Volo, Ebe Yebe Yebe Agban Yeye Ato, Ebe Nkwelenye, Nuse Lesi. Nuke Olatimuo, Ene Togo Notomu Lemeo, Soto Ebe Hadidi, Keeleni Kafu Kafu, Nuse Ndodwambe, Kodo Mono Popo Na Yehowari, Ebe Yebe Haya, Ela Tro Ndele Wapak Bime. Ah, Novi, même il est dit la plaie de Kibé Hayali en ligne. Yay iTunes, Amazon, Sporty, Apple Music, Pandora, Deezer Over Recording, Facebook, TikTok et Beba les plateformes Bobodi. Wade Mpovo, ne odila gba play de KBCD ale, de Nikba Africa Media ale Togoa, Olapoka Ayono by plus 228 92 43 53 65. Allo, Olapoka Tepoka Ayo, le de Nikba Africa Media ke le America 309 203 33 54. Jaguar, entreprise import-export, basée aux États-Unis et à Lomé, vous offre ses services. Désormais, pour tout transport de marchandises et de biens à l'échelle internationale, faites confiance à Jaguar Import-Export. Jaguar Import-Export est spécialisé aussi dans la location de voitures. Parents, connaissances, amis de la diaspora, pour vos déplacements lors de vos séjours à Lomé, faites confiance à la société Jaguar pour la location de voitures pour tout déplacement dans un confort total. Jaguar, ensemble pour la promotion de l'emploi et du développement de notre pays. Jaguar, un changement pour un avenir meilleur. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, selon le lieu où vous vous trouvez à l'échelle du monde ou bien dans le monde. Bienvenue sur votre chaîne de télévision et radio d'Enigma Africa Media, émettant depuis Chicago aux États-Unis, et la chaîne YouTube Dr Mokito Reçoit, émission Heure de Vérité, avec la collaboration des médias partenaires Afrique 2050, émettant depuis Maryland, toujours aux États-Unis, et Gim TV depuis Washington, toujours aux États-Unis. La radio panafricaine, chères téléspectatrices et téléspectateurs, Africa Radio, anciennement appelée Africa numéro 1, est une station de radio franco-africaine qui a été créée au Gabon par le défunt président Omar Bongo en 1981. Cette radio Africa numéro 1 a fait rayonner, chères auditrices et auditeurs, une belle image du continent africain pendant plusieurs années. La qualité des journalistes, des techniciens et de son personnel a rivalisé avec Radio France Internationale. Mais aujourd'hui, cette radio est devenue l'ombre d'elle-même. On se souvient pourtant de grandes belles voix que le monde entier admirait. Je vais vous citer quelques noms ici. Nous avons par exemple Patrick Nguemandan, décédé. Nous avons Denis Boukandou, John-Joseph Mbourou, qui est décédé aussi. Denise Boukandou encore vivante, Raphaël Badinga vivant, Krepenganga vivant, Flavienne Issembe vivante, nous avons aussi Paul Badinga Matiendi qui est toujours vivant, Ghislain Etougué vivant, Georgette Bonga Bakissi, nous avons Hervé Kiminou Missou, voilà, André Kassa Milibou, Léon Folquet, et ensuite notre invité, donc, Eugénie Dieki, etc.
On les entend plus. On les entend plus. Je précise bien. Beaucoup sont morts, comme je disais. Certains résistent et d'autres survivent. Pendant ce temps, en Occident, les médias comme RFI, France 24, BBC, je peux citer aussi Al Jazeera, CNN, TF1, ces médias brillent de mille feux. Les grandes figures de ces médias continuent d'exercer leur fonction d'informer avec un renouvellement des ressources humaines autour de jeunes journalistes et animateurs. Pourquoi cela n'a-t-il pas été le cas d'Africa numéro 1? Aujourd'hui, nous avons comme invité exceptionnel Eugénie Diéki, qui est journaliste. Alors, en préparant cette émission, j'étais en train d'hésiter, est-ce qu'il faut la qualifier aussi, l'appeler comme ancienne gloire d'Africa numéro 1, en discutant avec certains amis africains. Ils m'ont dit que non, il faut pas l'appeler ancienne gloire, il faut l'appeler gloire d'Africa numéro 1. Aussi, parlerons-nous du thème suivant. L'Afrique, ses héros, ses intellectuels, ses grandes figures, autour des problématiques suivantes. Où sont passées les fréquences de, je cite, Mama Africa? Pourquoi l'Afrique, je dis bien l'Afrique, n'arrive-t-elle pas à soutenir de manière pérenne ses intellectuels, ses grandes figures, à l'instar des journalistes d'Africa numéro 1? Comment le Gabon a-t-il fait tomber Africa numéro 1, un instrument médiatique d'influence géopolitique? Nous allons donc recevoir notre invité. Bonjour, Eugénie Diéki. Bonjour, Monsieur Mouketou. Bonjour à toutes les personnes qui sont câblées. Je voudrais commencer par vous remercier de m'inviter dans ce média. Alors, bien avant qu'on démarre, j'ai revécu un peu l'ambiance frénésie qui s'empare des journalistes, des animateurs lorsque l'antenne va démarrer. Donc, merci infiniment de me donner la parole. J'essaierai humblement de répondre à vos questions parce que par le numéro un, c'est parler d'un média, un instrument qui a vraiment été au service du continent africain. J'aurais souhaité que la parole fût donnée à mes chefs, j'ai envie de dire Valère Binamanza, par exemple. Me donner l'occasion de parler numéro un et de me reconnecter avec les auditeurs de la radio. Merci. Bien, c'est nous qui vous remercions d'avoir son président. Et je reprécise que c'est un grand plaisir pour nous parce que vous faites partie de ces grands journalistes reconnus mondialement. Alors, pour nos téléspectateurs, je voudrais signaler que vous êtes un des acteurs de premier plan dans la diaspora africaine d'Eurasie. Vous êtes journaliste d'information, présentatrice de l'émission Écho de Paris sur la télévision panafricaine Vox Africa. Vous êtes une gloire d'Africa numéro 1. Certains disent que vous êtes une ancienne gloire d'Africa numéro 1. Diplômée d'une licence en sciences politiques et gouvernementales du prestigieux centre universitaire des centres des sciences politiques et du développement de Paris, vous êtes également un coach et consultante de leader. Vous accompagnez à cet effet les nouveaux dirigeants du continent africain qui souhaitent participer et gagner
une compétition électorale sans s'acheter des voix de ce qu'on appelle des profito-situationnistes grâce à, je cite, vos méthodes en, donc, vos méthodes qui sont citées en 9 étapes. Votre multiple potentialité, pardon, et votre parcours atypique, hein, je cite, vous permettent d'allier au quotidien votre passion pour la communication, vos qualités de stratège et vos qualités à rendre les gens performants et heureux. Vous avez été, comme je le disais, directrice des programmes d'Africa numéro 1 à temps plein entre février 1988 et juin 2012 à Libreville, au Gabon. Je voudrais aussi signaler que vous avez contribué à créer des émissions mettant en exergue et le génie donc de l'Afrique dans toute sa diversité et recruter les meilleurs cerveaux africains. Aussi, je voudrais signaler à nos téléspectateurs que pendant 25 ans, vous avez produit, animé, présenté sur Africa numéro 1, la première radio africaine internationale, les talk shows qui étaient suivis, je précise bien, par 30 millions d'auditeurs à l'échelle du monde. Vous êtes mère de famille et aussi à nos téléspectateurs et téléspectatrices, nos auditrices et auditeurs. Grand merci encore pour votre fidélité depuis plus de 12 ans. Nous allons donc commencer cette interview exceptionnelle avec Madame Eugénie Diéki. Avant d'explorer le thème de l'émission, permettez-moi, Madame Diéki, de vous poser une question d'actualité et d'ordre personnel. Alors, Madame Diéki, après plusieurs semaines d'un procès très médiatisé, l'actrice états-unienne Amber Heard a été déclarée le 1er juin 2022 coupable d'infamation à l'encontre de son ancien mari, Johnny Depp. J'aimerais avoir votre réaction sur cette actualité. Merci pour la question d'actualité. Mais avant de vous répondre, j'aimerais apporter une clarification à ce parcours élogieux que vous avez dressé de moi. Je suis arrivée à Africa numéro 1 en 1980. J'ai un parcours assez atypique, commencé en 1988. Et en fait, comment je suis entrée à Africa numéro 1? À travers un concours, le concours de la meilleure nouvelle de langue française qui avait été organisé en 1927 par le ministère de la Culture gabonais. Donc j'ai été lauréate. Donc il y a à l'époque qui animait l'émission Black Feeling, donc mon cinéaste a lu ma nouvelle, estimé que j'avais la plume pour écrire des scénarios pour des films. Donc je suis entrée en 1988. Je n'étais pas journaliste. J'ai commencé par faire de l'animation. Donc c'est pour parce que vous me disiez en off, mais tout, vous avez insisté pour me dire que vous n'êtes pas journaliste. Et bon, mais il ne faut pas avoir ça. Il faut pas avoir de la gêne quand on n'est pas journaliste. Je le suis devenu par la force des choses. Je suis d'abord fondamentalement une personne passionnée par l'écriture. Je reste une romancière. Je suis présentatrice, maintenant journaliste, par la force des choses. Tout ça. Alors, pour répondre à justement ce procès Attends, médiatique. attendez, excusez-moi, avant de parler de cette actualité, dans la présentation, j'ai vu que vous êtes un coach et consultante de leader. Alors, de quoi s'agit précisément? Donc, je ne sais pas comment dirais-je, que faites-vous avec les dirigeants africains précisément?
Alors, avec les dirigeants africains, qu'est-ce que je fais? De ma propre expérience, en fait, et ça, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup en Afrique, mais également dans le monde entier, on a besoin de héros, on a besoin d'intellectuels, on a besoin de dirigeants, on a besoin de personnes qui savent conduire le destin de nos pays. Et malheureusement, ces personnes que moi j'appelle, qui sont appelées des hauts potentiels, bien, souffrent du fait qu'elles sont parfois jugées plus intelligentes que les autres, donc elles dérangent, elles ont une vision, elles ont des capacités au-dessus de la norme. Et ces personnes qu'on devrait mettre à la tête de nos pays, bien souvent, elles sont éjectées parce qu'elles dérangent. Il se trouve que je travaille avec beaucoup de personnes qui ont une vision pour leur pays, qui ont une vision d'une vision pour l'Afrique. Et ces personnes ont ceci de particulier, c'est qu'elles sont particulièrement talentueuses, mais elles ne sont pas forcément entendues, alors que l'Afrique a besoin de toute urgence de ces personnes-là pour diriger nos pays. Voilà ce que je fais. D'accord. Alors, revenons maintenant sur l'actualité états-unienne. Votre réaction en tant que peut-être, non seulement journaliste, mais en tant que femme, hein? Alors, c'est un débat que j'ai souvent avec mon fils. J'ai un fils qui est ingénieur, qui est enseignant. Et souvent, nous parlons beaucoup. Et il est un peu étonné de ma réflexion qui consiste à dire que dans ce mouvement, et tout à fait légitime, hein, des femmes pour leurs droits, attention à ce que les femmes ne soient pas des comédiennes. Je pense que Amber Heard a vraiment mon point, c'est une véritable comédienne. Et en voulant soi-disant défendre les droits des femmes, eh bien, elle s'est vraiment tirée une balle dans le pied, c'est le cas de le dire. C'est pour dire en fait que il y a beaucoup d'hommes qu'on accuse d'être violents, mais qu'est-ce qui induit cette violence? Ce qui induit cette violence, c'est la violence également. Une violence qui est sournoise, une violence qui se cache derrière l'habit de la femme qui est forcément victime, qui est pure, qui, si elle est battue par son mari, si elle est violentée par son mari, c'est seulement par la faute des hommes. Alors, j'aimerais préciser que, effectivement, ce n'est pas normal qu'une femme soit battue, soit rasée, soit violée par son compagnon. Mais ce qui se passe, en fait, et moi, j'ai une gloire d'Africain numéro un. Je suis contente. J'ai quand même gagné la décennie des femmes et l'Organisation des Nations Unies a beaucoup de encouragé autonomie à prendre leur indépendance. Mais qu'est-ce qu'on a fait des hommes? Est-ce qu'on a accompagné les hommes justement à comprendre ce phénomène? Les hommes étaient dans une position sociale, politique, économique, les meilleurs en fait. Et puis tout d'un coup, on leur dit que laisser la place aux femmes, maintenant, ce sera à leur tour. Est-ce qu'on peut accompagner ces hommes justement, que une femme, son rôle d'être mère, d'être à ses côtés, une femme a également des capacités. Au phénomène médiatique Amber et de Johnny Depp, j'aimerais dire qu'il faut que les femmes arrêtent de se victimiser. Il faut qu'elles prennent leurs responsabilités et qu'elles ne jouent pas à ce jeu qui va se retourner contre nous. De plus en plus, on dit qu'il est temps que les femmes prennent le pouvoir, il est temps que les femmes prennent plus de part. Dans les postes politiques, et même qu'elle soit qu'il y ait de plus en plus de femmes présidentes, aussi bien en Afrique, mais dans le monde. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les hommes. Nous sommes différentes. Nous avons une façon différente de gérer les affaires de la société, les affaires publiques, parce que nous sommes des mères, femmes, ont une sensibilité différente. Il faut faire attention à ne pas jeter les hommes
à ne pas les écraser à notre tour. Ouais, le pouvoir d'une mère. Le pouvoir d'une mère, c'est quoi? La mère a tous les pouvoirs, c'est une femme. La mère peut dire à son fils, écoute, n'épouse pas cette femme, elle veut c'est de violence. Une présidente, et on l'a vu, peut dire à son mari président, tu continues à être au pouvoir parce que donc les femmes ont un pouvoir, un véritable pouvoir et aussi un pouvoir de manipulation. Je ne veux pas dire que c'est les femmes. Je veux dire que nous avons nous aussi un pouvoir de manipulation. Il faut faire très attention justement à ce que nous ne comptons pas à justement dès le combat des femmes en fait, des femmes qui sont véritablement victimes de violence et des hommes aussi qui le sont. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont victimes de violence. C'est ce que je veux dire pour répondre à votre question. D'accord. Alors, parlons un peu de comment dirais-je, de la diaspora africaine. De façon générale, au sujet donc de la diaspora africaine à laquelle vous appartenez, que leur dites-vous alors que l'Afrique est souffrante du manque, comment dirais-je, vous allez m'excuser de l'expression, je préfère parler de citoyens consciencieux du bien commun. Ça, c'est la première question. Est-ce que vous croyez-vous que qu'une diaspora ayant une expérience, par exemple, professionnelle, doit rester à l'extérieur, votre cas par exemple, plutôt qu'apporter son expertise au vrai profit, je dis bien, donc, du continent africain, le continent donc, notre continent, par exemple. Très bonne question. Très bonne question. Qu'est-ce que je peux répondre à cela? Il y a plusieurs siècles, nos maîtres étaient forts sur le continent africain et ont été disséminés à travers, dans les pays riches, en fait, hein, les États-Unis, la France, le Brésil, pour ne citer que ces pays-là. Et qu'est-ce que nos ancêtres ont fait pour être là-bas? On les a pris de force. Et ils ont contribué justement à la richesse du monde. On ne peut pas empêcher une personne qui a des capacités potentielles de quitter son pays pour aller chercher un meilleur lieu à l'extérieur. Pourquoi nous, pas Africains? Parce que nous sommes sur un continent dit pauvre, on a le droit justement d'aller chercher ailleurs un mieux-être pour un mieux-être, un mieux vivre, une meilleure économie pour pour le mettre à contribution de son pays. Donc je pense que déjà, il faut faire attention justement à continuer à nous, à rajouter à une peine à une autre peine. C'est comme si parce que nous sommes Africains, parce que nous sommes dans un continent en construction, je ne dis pas un pays pauvre, un continent en devenir, que nous n'avons pas le droit d'aller chercher ailleurs des enseignements, une culture différente, des outils différents, de la technologie, un savoir, enrichir de tout ça, contribuer en retour à l'émancipation, à l'émergence de nos pays. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir ces discours. Oui, parce qu'on est Africain. On n'a pas le droit de faire ci. On est dans la marche du monde. On est dans la marche du monde. Un Français qui vient, un Français étudier au Gabon, un Béninois qui vient enseigner au Gabon. Je parlais des Occidentaux. Quand un Français vient au Gabon, est-ce qu'on lui reproche de venir au Gabon? Il vient tout simplement se chercher, comme on dit chez nous. Il vient simplement enrichir sa vie, il vient tout simplement aller à la rencontre d'une autre culture, aller à la rencontre d'autres personnes. Il va simplement apporter ses compétences et le monde est ce qu'il est. Moi, je suis ici depuis des années, mais j'ai le regard, le cœur rivé dans mon pays. Je contribue justement, je continue de contribuer à l'émancipation, à l'éclosion de mon pays.
travers ce que j'ai, à travers mes connaissances, à travers mon savoir, à travers mes contributions, au fait aussi que je me déplace régulièrement dans mon pays. Je pense que oui, je suis tout à fait, comment dire, droit dans mes bottes par rapport à ça. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir ces discours de comme on est africain des pays pauvres, donc on n'a pas le droit de. Mais justement, il faut qu'on aille chercher l'essence de la culture ailleurs, encore que qu'est-ce qu'on vient chercher ici? Qu'est-ce qu'on vient chercher ici? Ces pays occidentaux ont contribué à un désordre structurel que nous vivons encore aujourd'hui. Ils ont créé tellement de désordre que justement, il y a beaucoup de populations, et ça va continuer avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, continuer parce que il y a un problème qui arrive et nous ne prenons pas les bonnes décisions, que nos dirigeants se réunissent à l'occasion de rencontres internationales, mais rien ne change, rien ne bouge. Tout ça va créer quoi? Ça va créer des désordres. Il y aura des déplacements de population. Il y a le terrorisme qui est dans nos murs. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un village au Mali et que des terroristes arrivent et détruisent tout sur leur passage? On doit rester au Mali? Non. On quitte son pays, c'est Sénégal, on va en Côte d'Ivoire, on vient en France parce que le monde est déséquilibré. Donc, moi, pour terminer par rapport à cette question, je veux dire que avant nos ancêtres ont été arrachés de force de l'Afrique mère pour aller à l'étranger, à l'extérieur. Ils ont contribué, ils ont versé des larmes de sang, de la sueur. Et des millions d'Africains ont été déportés. On en voit aujourd'hui encore les conséquences. Moi, je pense qu'il faut se dire que c'est un plan de Dieu quelque part, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur la terre entière. Et je pense qu'il faut envisager le fait de partir à l'extérieur comme des conquérants, en fait. Nous y sommes, nous y restons, ce monde nous appartient autant qu'aux autres. C'est pas parce qu'on est noir qu'on doit se cantonner à l'Afrique. Je sauve l'humanité et j'ai le droit pour être plus compétente parce que c'est mon droit en tant que citoyenne du monde de quitter mon pays parce que j'ai besoin d'aller exercer mon savoir, parce que j'ai besoin d'aller me confronter à la réalité d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que les voyages forment la jeunesse. C'est vrai. Le fait de quitter son pays, on se met en danger. C'est ça. Mais on se En tient, tout cas, je sais pas, merci attends, je pour. prends donc. Oui, je termine par ça. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, vous seriez, par exemple, en train d'animer, de présenter le grand journal de 20 heures sur la chaîne de télévision nationale de votre pays, le Gabon, par exemple. Oui, bien sûr, pourquoi pas? Mais je pense que Africa numéro 1, je l'ai. Je pense qu'en fait, tout être humain est appelé à grandir. Et c'est une des caractéristiques des hauts potentiels, c'est qu'ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Sinon, on est face à ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie, c'est quoi? C'est que si on reste sur place, si on fait du sur place, on n'avance pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Africa numéro 1 a sombré. C'est qu'on s'est gaussé de notre gloire et on n'a pas envisagé l'avenir. On s'est assis sur le fait qu'on était la première radio africaine internationale et on n'a pas vu l'avenir, envisagé l'avenir. Pour Africa, C'est ça. mais pour d'autres entités, oui. D'accord. On reviendra sur Africa numéro 1. Alors, dernière question avant donc d'explorer notre thème de cette émission. Gouverner demande la sagesse. Alors, Madame Eugénie Déki, est-ce que cette sagesse existe dans votre pays d'origine, le Gabon, et dans le reste du continent africain, même si nous vivons dans un espace mondialisé? Alors, j'ai envie de vous répondre, c'est une question piège. C'est une question Coach, piège. en tant que coach, là on sort un peu du cadre du journalisme. Oui. Est-ce que gouverner Qu'est-ce que demande je la peux sagesse? répondre à Mais ça? éventuellement, cette sagesse, est-ce qu'elle existe au Gabon ou bien dans le reste du continent? Vous savez, on a dans tout le monde.
ce qu'on appelle en fait des personnes de bonne volonté, sans qui nos États, qu'ils soient en déliquescence, qu'ils soient en reconstruction, comme le cas du Mali par exemple, on a des personnes dans chaque pays africain qui sont des personnes de bonne volonté, qui me fait qu'il y ait ces orages démocratiques, qu'il y ait ces tensions, se lèvent tous les matins avec ce sens du patriotique, en fait, ce sens patriotique, cet amour pour le pays qui les fait se lever le matin. Mais dans cette, pour le cas du Gabon, il y a beaucoup d'événements qui nous font penser que le pays va mal. Effectivement, le pays va mal. Mais le pays tient quand même. Il tient. Pourquoi il tient? Parce qu'il y a des Gabonais, et ça, les médias n'en parlent pas beaucoup, il y a des Gabonais qui se lèvent le matin, qui vont au travail, qui font ce qu'ils ont à faire, qui font bien leur travail. Et ce sont ces personnes-là que je remercie parce que c'est grâce à elles que le pays marche. Cahin, Cahan, mais c'est grâce à elles que le pays tient. C'est ce que j'ai envie de vous répondre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, vous avez répondu à la question. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs et téléspectatrices que parlerons-nous du thème suivant, l'Afrique, l'Afrique, ses héros, ses intellectuels, ses grandes figures, autour des problématiques suivantes. Où sont passées les fréquences de Mama Africa? Vous avez compris mon silence. Où sont passées les fréquences de Mama Africa? Pourquoi l'Afrique, ce grand continent, n'arrive-t-elle pas à soutenir de manière pérenne, durable, ses intellectuels, les grandes figures, à l'instar des journalistes d'Africa numéro 1? Telles sont donc les problématiques que nous allons explorer avec notre invitée exceptionnelle, Madame Eugénie Dicky, journaliste en France et gloire d'Afrique numéro 1. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, Madame Eugénie Dicky, est la suivante. Africa numéro 1, comme on le sait, a été créée, je le disais dans mon propos introductif, par la volonté du défunt président gabonais Omar Bongo. L'État gabonais, pour mémoire, était actionnaire à hauteur de 35%. L'État libyen à 52%. Et les investisseurs privés français à 13%. En 2022, Africa numéro 1 aurait pu célébrer, je pense, vous pouvez me corriger, son 44e anniversaire. Hein? 44e Tout à fait. anniversaire. Voyez, voilà. Pourquoi n'est-ce pas le cas, Madame Eugénie? Comment le Gabon a-t-il pu faire tomber une telle radio, donc Africa numéro 1, que nous, par exemple, les géographes, on qualifie comme étant un instrument médiatique d'influence géopolitique. Alors, s'il fallait répondre en une phrase, pourquoi Africa est tombée? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est en fait, nous avons péché par manque de vision. Par manque de vision, D'accord. de prospect perspective, d'anticipation. Alors, j'aimerais rappeler que la Libye n'intervient dans l'histoire d'Africa numéro 1 que bien plus tard. En fait, quand Africa numéro 1 est déjà tombée, la Libye, en fait, vient au secours quand il n'y a plus rien à sauver. Africa numéro 1, c'est donc l'idée du président Omar Bongo, feu Omar Bongo Ondimba, qui a eu l'idée ingénieuse justement de créer ce média qui allait être au service de l'Afrique, qui justement de faire entendre la voix de l'Afrique. Et ce média, voilà, donc Omar Bongo crée Africa numéro 1 avec comme partenaire de France. Donc tout se passe très bien. Comment la radio est financée? Elle est financée par le fait qu'elle a des émetteurs à Moyabi qui financent en intégralité
le fonctionnement de la DIO. Voilà, il se passe Mouyali, c'est au rien. Gabon. C'est au Oui, c'est au Gabon, Cameroun. Mouyali. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on disait souvent, vous écoutez Africana émettant de Libreville et de Moyabi au Gabi, parce que c'était le point central. Il y avait les émetteurs et ces émetteurs permettaient d'alimenter. On était à l'époque de la FM, voilà, des ondes, non, pas de la FM, des ondes courtes. Donc, Africa numéro 1 alimentait RFI, la NHK et d'autres médias. Grâce à ces antennes de Moyabi, qu'Africa numéro 1 retirait ses ressources. Et puis, le vent de la démocratie arrive. L'État français se désengage. L'État français se désengage. Et Africa numéro 1, l'État français se désengage. Donc RFI, la NHK et la Voix de l'Amérique se désengagent. Donc ne payent plus les fréquences d'Africa numéro 1, sont le moyen par lequel le média permet de payer ses charges, le fonctionnement et le personnel. Donc on n'a pas anticipé. On s'est assis sur notre succès, sur notre fierté de ce média continental, et on a envisagé l'avenir. Donc, lorsque l'État français se désengage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un Français qui est épris d'Afrique, épris du Gabon, qui connaît bien le dossier africain numéro 1, qui rachète la part française africain numéro 1. Il installe l'antenne parisienne d'Africa numéro 1. Mais cette antenne parisienne d'Africa numéro 1, ce n'est pas Africa numéro 1. L'antenne parisienne, elle se présente comme étant Africa numéro 1, mais en fait, ce n'est pas Africa numéro 1. Il faut que les gens le sachent. Et cette antenne parisienne, pour continuer à alimenter la grille des programmes, eh bien, elle propose à Africa numéro 1 Libreville, la maison mère, des programmes suivis. On a vu le journal des auditeurs avec Jules Adjikomlan, il y avait l'émission avec Robert Brazza, il y avait l'émission avec Manu Dibango, il y avait plein d'émissions qui venaient de Paris, en fait. Et cette antenne, Africa numéro 1 Libreville, devait payer ses services, justement à l'antenne parisienne. Elle n'a pas pu le faire. Elle a commencé à le faire et puis tout s'est arrêté. Voilà. Et les choses ont commencé à péricliter parce qu'en fait, même moi, je me rappelle qu'avec mes confrères, nous avons commencé à faire des propositions à la direction qui n'a pas écouté. Qui n'a pas écouté. Et maintenant qu'on se redéploie, il formait l'équipe, il fallait peut-être engager des actions pour que de plus en plus, qu'on forme les animateurs, enfin, qu'on forme le personnel pour qu'il apprenne à faire de la publicité, à conquérir le monde, à conquérir de nouveaux marchés. On ne l'a pas fait. En tout cas, on l'a fait quand il était trop tard. Quand il était trop tard. Quand est-ce que la Libye intervient? Quand il est pratiquement trop tard. Mais Trop c'est, tard, en fait. On a plusieurs solutions qui n'ont pas abouti. pardonnez-moi, c'est Et que c'est comme ça qu'Africa numéro pardonnez-moi, 1 est oui, parti, pardonnez-moi, c'est que je a ne sombré. comprends, c'est que je ne comprends, c'est que je ne comprends pas, pardonnez-moi, quand on voit la répartition en termes de pourcentage, en face, j'ai l'État gabonais était actionnaire à hauteur de 35%. L'État libyen à hauteur donc de 52% et les investisseurs privés français à 13%. Comment se fait-il que ce sont les 13% qui viennent au secours d'Africa numéro 1 qui sont en difficulté au lieu de 52% de la Libye ou bien les 35% du Gabon? Alors, je ne voudrais pas trahir les secrets d'Africa numéro 1 puisque je n'étais pas là quand les négociations ont eu lieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Je vous en Africa numéro prie. 1 cherchait par tous les moyens. Africa numéro 1 cherchait par tous les moyens de la barre. Il faut savoir que c'est un grand enjeu parce qu'aujourd'hui encore, des collègues n'ont pas été payés pendant plusieurs mois à cause de cette situation. La radio a commencé à péricliter, à vrai. Aujourd'hui, c'est scandaleux, c'est proprement scandaleux. Donc, dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? Quand le bateau coule, dites-moi, quand le bateau coule, on essaie de sauver ce qui peut être sauvé, mais on sait que le bateau est en train de couler. Parce qu'on n'a pas anticipé. On est en mer, il y a des orages, il y a la tempête. Donc, on cherche le premier sauveteur qu'on trouve. On n'a pas les moyens de négocier.
On n'a pas les moyens de négocier. La Libye, pourquoi la Libye a une plus grande part? Parce que la Libye, je pense, hein, c'est ce que j'ai entendu dire, donc je ne peux pas le confirmer, parce que la Libye voulait, avant de totalement, la Libye voulait que l'État gabonais lui donne la certitude qu'il allait honorer sa part du contrat. C'est-à-dire que la Libye disait, OK, je peux contribuer à payer les salaires en retard, à relancer le média, mais quand on est face à des part quand on est entre partenaires, il faut avoir confiance l'un en l'autre. Je pense que c'est la base quand on crée des partenariats. En ce qui concerne les 13%, alors oui, ça peut rajouter de l'eau au moulin, mais je pense que c'est la Libye qui jouait le plus grand rôle. Mais je pense que la Libye a été découragée parce que l'État gabonais, là, je parle au conditionnel. Parce que l'État gabonais n'a pas joué carte blanche. Simplement. Moi je voudrais revenir un peu sur parce que je reçois plusieurs messages hein, puisque cette émission est suivie à l'échelle de la radio et puis à l'échelle de la télévision. Donc nous avons surtout du monde à l'échelle de la radio. Alors, je voulais revenir dans mon propos introductif. Moi, je vous présentais comme étant une journaliste professionnelle. Ça, vous êtes connue mondialement, surtout dans le milieu, donc africain. Vous êtes, bon, je n'aime pas cette expression, hein, quand on vous qualifie comme étant ancienne gloire d'Africain numéro 1, vous êtes en fait une gloire d'Africain numéro 1. Alors, je reprends ma question vraiment de manière précise. Que s'est-il réellement passé pour que cette radio qu'on appelait donc le Tam Tam d'Afrique, la radio panafricaine, donc Africa numéro 1, qui était un monument, je dis bien un monument qui a fait donc la fierté donc de non seulement du Gabon, mais de tout le continent africain, devienne, vous me permettez l'expression, l'ombre de lui-même. Autrement dit, Madame Eugénie Guéqui, concrètement, vraiment, j'aimerais que vous soyez précise, concise, où sont passées les fréquences de Mama Africa? Où sont passées les fréquences de Mama Africa? C'est une grande question. Vous savez, même pendant la belle période d'Africa numéro 1, est-ce que vous savez qu'il était très difficile pour Africa numéro 1 d'installer des fréquences dans les pays africains? Je prends le cas de, je me rappelle, on est allé en Guinée-Conakry, on est allé en Côte d'Ivoire, au Cameroun, c'était compliqué. Au Mali, c'était compliqué. C'était très compliqué d'installer des fréquences d'Africa numéro 1 dans ces différents pays parce qu'en fait, ça dépend de quoi? Ça dépend également des relations diplomatiques entre un pays et un autre, entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, entre le Gabon et la Guinée. Ça tient aussi au fait à quoi? Et ça, je vais vous le dire, puisque vous me dites de parler de façon franche. Quand c'est RFI qui venait installer ses fréquences dans certains pays africains, l'accord était donné d'office. Quand c'était Africa numéro 1, il fallait passer par des tractations. Ça prenait du temps. Parce que nous sommes, parce que tel président à telle période ne voulait pas que le Gabon installe une antenne d'Africa numéro 1 dans son pays, parce qu'on n'est pas en accord politiquement avec le président Omar Bongo Ondimba. Voilà, donc on est encore dans notre oui-oui, dans notre psychopathologie, dans notre schizophrénie africaine. Vous avez demandé que je sois clair. Je vous dis les choses telles que je les ai ressenties, n'est-ce pas? Donc je répète, quand il s'agit de la place à un concurrent, RFI, alors ce n'est pas pour critiquer, je dis simplement les choses, c'est plus facile pour RFI d'avoir une fréquence africaine que Africa numéro 1. Aujourd'hui, les choses ont changé. Je prends le cas du Mali qui a décidé de ne plus autoriser des médias internationaux RFI à émettre. Mais à cette époque-là, à l'époque Africa numéro 1, il était très difficile d'imposer, enfin de proposer une fréquence Abidjan, par exemple. Ça prenait des mois. Ça prenait des mois, pour ne pas dire des années, pour fréquence. Donc c'est ce que je voudrais vous dire, moi, de ma petite expérience. Alors,
Que deviennent, comment dire, des anciens collègues journalistes? On peut parler aussi des techniciens. Je vais citer quelques noms. Guy Bertrand Matangou, Lise Aussin, vous allez m'excuser, je ne sais pas si je prononce bien les noms, Arcade Banangoy, Fanny Ella Assa, Léo Folquet, Georgette Bonga Bakissi, Denise Boukandou, Raphaël Badinga et les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, je vais reprendre une Gabonaise qui dit ils sont là. Certains sont là, pour la plupart, ils sont là, même si nous avons perdu beaucoup de nos confrères. Ceux qui sont encore vivants sont là et bien vivants. Ils sont debout. Ils ont réussi à continuer à œuvrer dans d'autres sphères. Africa numéro 1, vous savez, c'est un traumatisme que nous avons vécu. Un traumatisme que nous avons vécu et que nous continuons à vivre. Vous pouvez vous imaginer à quel point chaque fois qu'un auditeur vous dit Maman Africa, Eugénie Diéki, Denise Boukandou et toutes ces personnes qui ont contribué à rendre l'Afrique aussi magnifique, à parler de l'Afrique d'une façon tellement magistrale, c'est très douloureux pour nous en fait. C'est très douloureux pour nous parce qu'en fait, nous n'étions que des instruments. Ce n'est pas nous qui décidions. Ce n'est pas nous qui décidions. Nous avons simplement constaté que la radio périclitait et on a averti les autorités qu'il y avait des choses qui ne se passaient pas bien. Moi d'ailleurs, quand je suis arrivé en France, on m'a sollicité pour faire un programme de restructuration d'Africa numéro 1. Et là, pour toutes les personnes qui m'écoutent, c'est peut-être l'occasion de le dire. J'ai ce programme de restructuration d'Africa numéro 1. Je l'ai envoyé à qui de droit. Mais quand un gouvernement, chaque fois, le dossier passe d'un ministre à un autre, non, c'est pas possible. Donc moi, j'ai le dossier de restructuration d'Africa numéro 1. Mais je peux pas le faire toute seule. Je peux pas le faire toute seule. Relancer Africa numéro 1 aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup plus facile qu'avant. Mais il faut la volonté politique, encore une fois. Il faut que l'État gabonais, il faut que les Africains qui ont aimé cette radio se disent oui, c'est possible. Il y a quelques amoureux, beaucoup d'ailleurs, hein, de fans d'Africa numéro 1 qui nous demandent à nous qui sommes encore mais comment on peut faire pour relancer la radio? Donc c'est quelque chose qui est en cours, mais vous savez, je parlais d'entropie. L'entropie, c'est quoi? C'est cette tendance que nous avons, nous les humains, à être dans le chaos, en fait. À être dans le. On est dans le désordre, en fait. On a une absence de vie, une absence d'anticipation. On ne prévoit pas l'avenir. On ne fait que se lamenter. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion de relancer Africa numéro 1. C'est pour ça que je lance un appel. Mes collègues sont là, mes collègues techniciens, animateurs, journalistes. Guy Bertrand Mapangu, par exemple, a été ministre. Il a été ministre. Il y a des collègues qui ont occupé de hautes fonctions. Donc, c'est possible de relancer Africa numéro 1. Et nous le devons à qui? Nous le devons à ces auditeurs qui nous ont soutenus. Nous le devons à nos collègues qui sont décédés. Nous le devons à nous-mêmes aussi. On parle de 30 millions d'auditeurs. C'est énorme, hein? Oui, 30 millions c'est énorme. d'auditeurs. C'est énorme. Tout à fait. Alors, à propos de vos collègues, en préparant cette émission, selon nos sources, plus de 100 de vos anciens collègues journalistes seraient morts. Je dis seraient morts, sans bénéficier de leur droit légitime de retraite, de chômage ou de licenciement. Votre réaction, Madame Eugénie Diéki? Il y en a plus de 100, plus de 100, plus de 100. Ah. Oui, malheureusement, oui, tout à fait. Ils sont beaucoup plus que ça. Ils doivent être à 105, 110. Le dernier en date et le plus révélateur, on va dire, c'est Patrick Ebandong. Patrick est parti, nous a quittés, quand même malpropre, j'ai envie de dire, sans les honneurs que Africa numéro 1 lui devait. Voilà, et voilà quelqu'un qui a contribué à faire rayonner le continent africain. Oui, j'en parle et j'ai les larmes aux yeux parce que on ne peut pas avoir contribué à faire rayonner l'Africain et terminer comme ça. Terminer
Patrick était malade. Il était malade, grave. Et avec le concours de jeunes confrères, nous avons pu modestement organiser des émissions en ligne pour que on puisse faire une cause pour Patrick Mbadong. Je sais que du côté des Gabonaises, des choses ont été faites. Je le sais. Mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas avoir été une ancienne gloire d'Africa numéro 1 et partir comme ça. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est propre à un continent. Et je n'ai pas envie de dire que c'est une malédiction. C'est tout simplement, c'est qu'on ne sait pas anticiper les choses. On se contente de vivre. On s'assoit sur nos acquis, pas Occident. Dans 30 ans, où est-ce que nous en serons? Dans 5 ans, où est-ce que ma société, ma structure va aller? Dans quelle direction je veux aller? Ça, je pense que qu'on apprenne ça et qu'il faut que ça soit ancré dans notre système de fonctionnement personnel, mais également collectif, étatique. Voilà, il faut un cahier de charges, il faut avoir une vision. Et il y a des personnes qui sont formées pour ça. Vous pouvez avoir le meilleur plan du monde, la meilleure idée, et même à beaucoup d'argent. S'il n'y a pas une vision, s'il n'y a pas d'objectif, ça ne sert à rien d'avancer. Vous n'irez nulle part. D'accord. Alors, revenons un peu sur l'amour de l'Afrique numéro 1. Madame Eugénie Dieki, est-il vrai que cette radio panafricaine, Africa numéro 1, s'est éteinte, selon nos sources, en 2019 suite au retrait officiel, fin de citation, des actionnaires français? Pourquoi, je reviens encore sur cette question, puisque j'ai des messages que je reçois, pourquoi la partie africaine, quand on fait le total, largement majoritaire, presque à 90%, la Libye et le Gabon, n'ont-ils pas pu relancer cette radio? Mais je vous Vous avez répondrai, déjà je pense que répondu, vous mais avez il oui, y a j'ai des déjà répondu à auditeurs la qui question, insistent. mais je vais, Oui, oui. ils Oui, insistent, ils insistent. je comprends. Je comprends. Insister. Et comment fonctionne l'Union Oui. africaine? L'Union africaine. Pourquoi Air Afrique est tombée? On parle, il y a une grève des, il y a eu la Caisse nationale de sécurité sociale au Gabon. Pourquoi nos stades ne marchent pas? Pourquoi il y a une crise en Ukraine et en Russie et on voit le président de l'Union africaine, Macky Sall, aller voir son homologue Rudre Sah, aller demander qu'on continue à exporter les céréales, le blé. Africa numéro 1 n'est juste qu'un n'est juste conséquence d'un climat politique, économique et sociétal, aussi bien au niveau du Gabon au niveau de l'Afrique. Pourquoi la SEG ne marche pas? Il y a des dirigeants au niveau de la SEG. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, alors qu'il y a de l'argent, on crée une structure et pourquoi elle s'arrête un moment? Et pourquoi il y a beaucoup plus ce genre de cas en Afrique? Encore une fois, c'est parce que on fait du copinage, parce qu'on n'a pas de rigueur. Tout simplement, je prends le cas de Air Afrique. J'ai voyagé à Air Afrique quand je travaillais à Africa numéro 1. Je prenais souvent Air Afrique. Mais fallait, j'étais à la fois scandalisé et amusé. Vous n'allez voir ça qu'en Afrique. Vous allez voir des femmes. On laissait les femmes porter 3, 4, 10, 15 valises. Et on fait tout ça. Il ne faut pas dire que c'est la faute des Africains. C'est notre responsabilité collective. Il va falloir moi qu'il y ait un sursaut dans chaque pays africain pour dire que si nous en sommes arrivés là, si le cas, pour le cas du Gabon, puisque c'est mon pays, je le connais le mieux, pourquoi tout sombre au Gabon, comme dans d'autres pays africains, c'est notre responsabilité collective, ce n'est pas que la responsabilité de nos dirigeants. C'est nous aussi qui acceptons cela. Donc, pour revenir à Africa numéro 1, comment ça se fait qu'Africa numéro 1 ait les plus grosses parts et que la radio sombre? Mais c'est une question de gestion, de vision. C'est une question de gestion, de vision. Par exemple, quand j'ai été nommée directrice des programmes, j'ai estimé qu'il fallait former. On ne peut pas rester pendant 15 ans animateur, journaliste.
Ou si on l'est, ben, il faut qu'on aille se spécialiser. On ne peut pas seulement rester pendant 15 ans technicien. On doit. Tout être humain a besoin de s'élever, de grandir, de voir autre chose, d'avoir des perspectives. L'homme que vous êtes aujourd'hui, Monsieur Mouketou, n'est pas l'homme que vous étiez il y a 15 ans. Et ce n'est pas, et dans 10 ans, vous serez un homme différent. Parce que vous voyez les choses différemment, parce que vous avez besoin de rêver, de continuer à rêver pour ne pas sombrer. Tout simplement. C'est ça. J'espère que j'ai répondu à la question des autres, mais je ne saurais dire autre chose que cela. Vous avez répondu parfaitement, mais c'est quand même très étrange de constater que l'antenne parisienne d'Africa numéro 1, rebaptisée Africa Radio, une radio florissante, diffuse, je dis bien, diffuse tranquillement en FM dans la région donc d'Île-de-France et dans plusieurs pays africains. On parle du Congo, Brazzaville, on parle de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que nous constatons quand en 1992, la marque d'Africa numéro 1 s'est exportée à l'Hexagone, en s'implantant donc à Paris, toujours sur la base des capitaux français. Et par rapport à ces capitaux, Alors, on disait je que vous c'était très explique. spécial. En prenant le nom, s'il vous plaît, en prenant le nom ici d'Africa Média, appartenant à M. Dominique Guyot. Alors, certains Africains, certains intellectuels, certains membres de la diaspora africaine disent que c'est la Françafrique, il semblerait, qui s'est servie du Gabon pour étendre son influence, et cette même Françafrique n'a pas hésité à sacrifier Africa numéro 1 quand elle n'en a plus besoin. Votre réaction? Alors, je vais sourire parce que j'ai envie de dire pauvre Françafrique, c'est-à-dire qu'on l'accuse de tout et de rien. Pauvre Afrique. Je comprends la préoccupation des personnes qui nous écoutent, mais pour cette question précise que vous me posez, j'aimerais qu'elles écoutent attentivement. Africa numéro 1, lorsque l'État français se désengage d'Africa numéro 1, et je l'ai dit plus haut, c'est un Français qui a une société qui s'appelle Africa Media, un Français passionné d'Afrique, qui suit effectivement Africa numéro 1, travaillé à RFI, qui est un ancien journaliste, qui dit, mais j'aime bien ce média. Et qui s'est unité justement de la cessation du partenariat entre la France officielle et le Gabon pour racheter, mais à un prix dérisoire, Africa numéro 1, la part Africa numéro 1. Puisque l'État français se désengage, donc ce Français, Dominique Guillaume, décide de racheter Africa numéro 1. Et qu'est-ce qu'il fait? Il négocie avec la direction d'Africa numéro 1. Ce n'est pas la France, c'est comme par exemple, ça aurait pu être par exemple vous. Vous êtes à Paris, vous vous rendez que la France se désengage. D'Africa numéro 1 Gabon, maison mère, et vous dites expérience, je voudrais racheter Africa numéro 1, et vous rachetez Africa numéro 1. Alors le problème, c'est que si ça avait été vous, et c'est pas pour vous accuser, moi je prends un autre exemple, si c'est un Africain qui avait pris les rênes d'Africa numéro 1 à Paris, je ne suis pas sûr que la radio tiendrait. Ça tient au fait. Et heureusement que M. Guillot, parce que j'ai travaillé avec lui, heureusement que M. Guillot est encore là. Effectivement, la radio a maintenant changé de direction. Elle n'est plus apparentée à Avant mes Omer, mais ce n'est pas faute d'avoir tenté de relancer Africa numéro 1 mes Omer. Il y a eu des missions de mes collègues du Gabon avec M. Guillot. J'y ai participé, prise des programmes Africa numéro 1 à Paris. Et nous avons tout fait pour sauver Africa numéro 1. Ça n'a rien à voir avec la Françafrique, ça n'a rien à voir avec la France qui veut détruire Africa numéro 1. Pourquoi elle n'a pas détruit Africa numéro 1 du temps où c'était marché bien? Et pourquoi elle le détruirait alors qu'elle a coulé? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Africa numéro 1 est maintenant Paris, Africa Radio, parce qu'elle s'est désengagée d'Africa numéro 1. Pourquoi elle met ses antennes elle continue à mettre ses antennes? C'est parce que c'est d'abord un chef d'entreprise, Monsieur Guillaume. C'est un chef d'entreprise.
Il voyage en Afrique, il va voir les autorités. Il a pris des partenaires. Parce qu'à un moment, Africa numéro 1, maison mère, n'arrivait plus à financer Africa numéro 1 Paris. Il a donc fallu trouver une solution. Donc il a pris des décisions. Donc, recréer Africa parce qu'il y a un public, il y a des sondages qui sont faits, c'est un chef d'entreprise, il voit que l'Afrique est le continent de l'avenir, il voit que il y a beaucoup d'auditeurs qui voudraient continuer à écouter Africa numéro 1, mais puisque Africa numéro 1, maison mère, n'existe plus, c'est Africa Radio. Et Africa Radio, c'est dans plusieurs pays africains, mais encore une fois, ça prend du temps, c'est des tractations. Vous savez, regardez, ça c'est un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire que on a tendance, quand quelqu'un vient nous voir, quand une personne, un occidental, vient en Afrique installer une usine, le ministre va dire, je gagne combien? Il va d'abord dire ça. Faut pas se voiler la face. Il va d'abord dire, je gagne. Qu'est-ce que je gagne? Si vous me donnez de l'argent, je vais tout faire. Il y a une antenne. Il y a une antenne à. Je ne vais pas citer le pays parce que je ne vais pas accuser. Je dis simplement les faits. Voilà comment ça se passe. C'est une question de mentalité. Donc arrêtez de penser que c'est la France-Afrique qui est derrière. Ça n'a rien à voir avec la France-Afrique. Ça a à voir avec notre non-prise de responsabilité. Notre. Voilà, il faut accepter qu'on a échoué collectivement. Et il faut en tirer D'accord. les enseignements. Ça n'a rien à voir avec la France-Afrique. D'accord. Alors, Eugénie Déki, c'est vrai que bon, vous dites que la mort de la France-Afrique, disons d'Afrique numéro 1, n'a aucun rapport donc avec la France-Afrique. Alors, à l'échelle médiatique africaine, Eugénie Déki, peut-on considérer, comment dirais-je, les fondements de cette radio, donc la radio Africa numéro 1, comme l'équivalent, vous permettez l'expression, d'un tsunami ou d'un 11 septembre des fréquences panafricaines avec une, comment dirais-je, une chute libre des espoirs d'une autonomie de l'information à l'échelle du continent africain. Je vais vous répondre par oui. Tout à fait. Oui, c'est une chute libre, c'est un tsunami, tout à fait, parce que dans le paysage audiovisuel dans le monde et en Afrique et en France, il y a des médias qui sont le porte-parole des Africains en Afrique. Il nous manque un média qui a joué le rôle d'Afrique. Effectivement, il y a une vraie, on sent une vraie absence. Il y a des velléités de il y a des médias qui se sont créés, mais ça n'a plus le même impact, la même envergure, la même autorité. Ce n'est plus un instrument au service des populations africaines. C'était ça, Africa numéro 1. Hein, c'était un instrument de connaissance des Africains. En tout cas, quand on écoutait Africa numéro 1, on se sentait totalement africain. On ne se sentait pas gabonais, sénégalais, ivoirien. Nous étions africains, nous portions la voix d'une Afrique forte. Et on était Africa numéro 1, on n'avait peut-être pas les moyens de RFI, mais RFI, on donnait quand même du fil à retordre à RFI. Parce que qui peut mieux parler de l'Afrique que nous-mêmes? Et en Afrique, c'est Africa numéro 1. Donc il y a effectivement un vide, un désert, un tsunami. Oui, c'est un tsunami. Mais j'ai envie de dire que y a des choses qui ont coulé, c'est l'histoire du monde en fait, hein. On peut couler et on peut se relever. Il faut tomber bien bas, il faut couler, il faut D'accord. toucher le fond et avoir le courage de se relever en tenant compte des leçons du passé et des leçons de l'échec. Alors, nous avons appris, je vais lire, que c'est la stratégie des dirigeants d'Africa numéro 1 qui vivaient comme des princes du Moyen-Orient qui est à l'origine de la mort de cette radio panafricaine. Les journalistes n'étaient plus correctement payés. Mythe ou réalité, Madame Eugénie Déki? Vos collègues, vos dirigeants, Alors, vous faisiez partie de ces dirigeants puisque vous étiez directrice des programmes. Vous viviez donc comme des princes du Moyen-Orient et certains disent que
C'est à cause de ces princes donc d'Africa numéro 1 qui nous comme des princes du Moyen-Orient. C'est ce qui est à l'origine de la mort de cette radio panafricaine. Oui. Alors, je voyez que Mythe ou voyez même que réalité? mon rire, c'est tellement risible. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Est-ce que j'étais comme un prince du monde? C'est une drôle d'image. Moi, ce que je sais, c'est que quand je suis nommée directrice des programmes d'Africa numéro 1, en fait, le PDG d'Africa numéro 1, à l'époque, je travaillais à l'Union, quotidien de l'Union. À l'époque, donc on me ramène à Africa numéro 1, le PDG, il me dit, la radio à Libreville est en train de sombrer. Enfin, les sondages disent que on n'est plus autant écouté qu'avant. Donc on me rappelle, n'est-ce pas? Et je leur dis, voici le plan pour relancer l'antenne d'Africa numéro 1. Je m'en souviens très bien. Je me suis assise face aux dirigeants, au directeur des programmes, au PDG. Je leur dis, bon, voici ce qu'il faut faire. Donnez-moi les moyens de relancer les habitudes d'Africa numéro 1. Et c'est comme ça que je crée, avec Patrick Guémin, donc, l'émission mythique Africa Vie, les après-midi bien remplis. Ça, c'est ma touche, moi. C'est ma touche personnelle. Je leur ai dit, donne-nous les moyens. Quand je dis les moyens, ce n'est pas l'argent. Quand je dis les moyens, c'est moi l'occasion de vous démontrer qu'on peut faire des choses avec très peu de choses. Quand j'ai recruté, par exemple, Pidji Banda, le psychosexologue qui animait des émissions avec moi, j'avais pas de budget, hein. J'avais pas de budget. Le PDG m'a dit, la direction m'a dit, Madame, vous vous débrouillez, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de budget. Donc, j'ai fait un deal avec Monsieur Pidji Banda. Alors, pour ceux qui ont suivi l'émission Africa Vie, les après-midi bien remplis, j'ai pris l'initiative d'inviter un psychosexologue qui régulièrement des conseils matrimoniaux aux auditeurs. Et ça a très bien marché. Quand j'appelle ce monsieur qui vivait en Belgique, je lui dis, je suis directrice des programmes, monsieur Pichi Panda, mais je vous assure, je n'ai pas les moyens. Ce monsieur a accepté de faire des émissions sans être payé pendant pratiquement 3 ans. Il n'a pas été payé. Donc, ne pensez C'est pas que parce curieux. qu'on est directeur, oui, ben c'est comme ça justement. C'est comme ça. Il faut comprendre les choses. Faut pas. C'est que je vous prends l'exemple de Monsieur Guillot avec qui j'ai travaillé. Monsieur Guillot est le, il, c'est un chef d'entreprise. La société Camédia. Mais il me raconte que avant de commencer à gagner de l'argent, il a fallu qu'il investisse. C'est la vie d'un chef d'entreprise. Comme toute entreprise, on a des moyens, mais qui sont limités. Donc, il faut faire des choix stratégiques. Et on m'a dit, Madame Dieki, directrice des programmes, débrouillez-vous, vous êtes ingénieur, débrouillez-vous pour que la grille des programmes marche. Donc, il faut faire des coupes serrées sur le budget. Faut faire des coupes serrées sur le budget. Il faut faire des choix, des stratégies. Et c'est ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai répondu à votre question? D'accord. Maintenant, est-ce que on vivait comme des pense pas? Non. voilà. Non, je ne pense pas. D'ailleurs, pourquoi je suis parti du Gabon? Parce qu'en tant que haut potentiel, je voyais les choses. Je voyais que la radio allait dans le mauvais sens. Je savais qu'on allait faire un crash. Je le savais. J'ai décidé de partir. On reviendra sur cette partie, mais nous allons, pour vous permettre de prendre, pourquoi pas, un thé, une Un peu petite d'eau. pause de 1 à 2 minutes, 2 minutes pour la pub. On va faire donc une petite pause. Merci. Bonjour, moi c'est Adolphe Dagan.
Nous avons ouvert Dagen African Market ici à Clarksville, Tennessee. Et l'adresse, c'est 1681 Fokembo Boulevard, suite 10, Clarksville, Tennessee, 37042. Et nous vendons les produits africains et internationaux aussi, les produits internationaux. Et nous avons les habits, nous avons les nourritures, nous avons les produits, je dirais, et pharmaceutiques et de beauté. Donc, nous avons aussi le website où vous pouvez commander et c'est www.daganafricanmarket.com. So, we here as Dagen African Market that we opened in 2019 to promote African products. Here we have food, we have clothing, we have the different products like black soap or shea butters, everything. And we invite you guys to support us. The address is 1681 Fokembo Boulevard, Clarksville, Tennessee. 37042, and then we have the website we can ship to you wherever you are, and that is www.daganafricanmarket.com. So thank you. God bless you. Jaguar, entreprise import-export, basée aux États-Unis et à Lomé, vous offre ses services. Désormais, pour tout transport de marchandises et de biens à l'échelle internationale, faites confiance à Jaguar Import Export. Jaguar Import Export est spécialisé aussi dans la location de voitures. Parents, connaissances, amis de la diaspora, pour vos déplacements lors de vos séjours à Lomé, faites confiance à la société Jaguar pour la location de voitures pour tout déplacement dans un confort total. Jaguar, ensemble pour la promotion de l'emploi et du développement de notre pays. Jaguar, un changement pour un avenir meilleur. Bien, merci pour cette petite pause. Donc, c'était donc la pub de notre chaîne de télévision Africa Media, donc d'Enigma. Alors, nous avons comme invité Madame Eugénie Tiki, journaliste professionnelle gabonaise vivant en France, qui est présentatrice de l'émission Écho de Paris sur la télévision panafricaine Vox Africa. Madame Eugénie Tiki, c'est la gloire d'Africa numéro 1. Cette radio panafricaine qui n'existe plus, ancienne directrice des programmes de cette donc radio panafricaine. Alors, nous sommes en train d'explorer donc un sujet en rapport avec donc cette radio. Alors, nous étions en train de parler donc de ce moment, hein, c'est-à-dire de la gabégie des dirigeants, je cite, hein, d'Africa numéro 1 qui vivait comme le prince donc du Moyen-Orient, et vous avez démenti en disant clairement que tout ça, ce sont des bobards. Que, à quel moment, Madame Eugénie Deki, avez-vous constaté que l'image de votre radio commençait à se dégrader? Je peux citer le cas de l'audience que vous voyez, vous avez 30 millions, est-ce que l'audience était en train de se dégrader? Est-ce que l'audience était en train de par exemple, à l'échelle, par exemple, est-ce que les amis écoutaient la radio, à quel moment, ou bien il y a eu des grandes manœuvres internationales qui ont été organisées pour déstabiliser cette radio. Il y a certains qui disent que, bon, là, nous ne sommes pas là pour commenter des rumeurs, hein. Il y a certains qui disent, bon, voilà, il fallait casser Africa numéro 1 pour que RFI récupère les auditeurs d'Africa numéro 1. Alors, il y a certains qui parlent même, qui accusent même France 24. Alors, comme le cas d'El Gabon, hein, il y a certains qui disent, bon voilà, El Gabon a été, cette compagnie a été détruite pour permettre à Air France de récupérer tous les voyageurs qui prenaient donc El Gabon. Alors, à quel moment, je reprends, avez-vous constaté que l'image de cette grande radio Africa numéro 1 commençait à se dégrader?
Alors, je pense qu'il y a un petit souci. Parce que... On vous écoute. Vous êtes en direct. Alors, oui, je disais qu'en fait, je ne vous entends plus. Je n'ai pas entendu la question. Alors, Mais je devine. je disais par rapport à la question, à quel moment avez-vous constaté que l'image d'Africa numéro 1 commençait à se dégrader, J'ai cité le cas de son audience en Afrique, qui n'était plus audible. Les Africains, est-ce que les Africains n'écoutaient plus cette radio? Est-ce qu'il y a eu des grandes manœuvres internationales qui ont organisé la déstabilisation donc l'Africa numéro 1? Vous avez des Africains, j'ai écouté même, par exemple, ici au Canada, vous avez des acteurs en discutant avec eux. Je leur ai dit que j'ai une émission sur cette radio disant, oui, Africa numéro 1 a été déstabilisé par RFI pour que cette chaîne de radio récupère les 30 millions d'auditeurs. Il y a même certains jusqu'à accuser France 24. Votre réaction est, ils ont même pris le cas de Air Gabon, la chute d'Air Gabon, qui a servi, qui est en train de servir, selon ces Africains de la diaspora, par exemple. Air Gabon a disparu, en fait, parce qu'il fallait donner cette possibilité à Air France de récupérer tous les passagers qui prenaient cette compagnie gabonaise. Est-ce que c'est le cas d'Africa numéro 1? Merci de me les poser. Alors, je vais revenir sur la question que vous avez posée précédemment sur l'avis de le Pacha que les dirigeants d'Africa numéro 1 ont. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a plus de détournement. C'est pas ce que j'ai dit. À mon simple niveau, moi, je suis directrice des programmes, je suis un instrument. Je ne suis même pas dans le conseil, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe, donc je ne vous réponds qu'à mon petit niveau. Voilà. Ce que j'aimerais dire, continuer à vous répondre, c'est est-ce que vous pensez que les médias comme RFI, TF1, France 24 n'ont pas de problème? Ils ont des problèmes. Les médias traditionnels, comme d'autres, sont dans une crise. Il faut se réinventer. Ces médias qui ont eu la mainmise dans les mainmises étatiques, ces médias d'État, ils sont dans une traversée du désert qui ne dit pas son nom. Ils ne vous le diront pas, le disent, mais c'est très difficile pour RFI. C'est difficile pour France 24. C'est très difficile pour TF1 de tenir la route. Parce que le monde a changé. Le monde a changé. Mais eux, ils anticipent. TF1 ou M6 ou France 2 ou France vont se déployer sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Et ils vont mettre les moyens pour ça. Ils vont suivre le mouvement. Africa numéro 1 n'a pas suivi le mouvement. À quel moment Africa numéro 1 commence? Mais elle commence à tomber pendant les années. Lorsque elle n'est plus la première radio panafricaine lorsque, après l'éclosion démocratique dans les années 90, des médias se créent, FM se met en place, il y a des radios qui s'installent dans les capitales et qui sont le porte-parole de citoyens dans leur propre pays. Il y a des médias qui se mettent en place, il y a la FM. Enfin, maintenant, les citoyens peuvent s'exprimer. Et ces médias locaux ont été des instruments d'émancipation, d'indépendance. Des démocratiques qui ont accompagné les mouvements citoyens. Et je me rappelle très bien, nous étions plusieurs collègues, il faut faire attention. Si nous ne faisons pas attention, Africa va perdre de son nom. Est-ce que c'est RFI qui est responsable de tout ça? Non, pas du tout. Nous n'avons pas de vision, en fait. Vous savez, ici, quand vous êtes médias, on fait souvent des sondages. Africa numéro 1 Paris faisait des sondages pour voir combien d'auditeurs écoutaient Africa numéro 1. Parce que plus tu as d'auditeurs, plus tu as d'auditeurs, plus l'argent rentre. Pour faire des sondages, on en faisait à Africa
numéro un, maison mère, mais ça coûtait beaucoup d'argent, vous voyez? Donc, quand on sait compter, on gère une entreprise comme on doit la gérer, pas avec une vision, avec on fait des maîtrises, on avance. Mais si on avance en disant on est une radio écoutée, c'est très bien, on se contente des félicitations. J'aime bien Africa numéro 1, mais c'est pas ça qui fait vivre Africa numéro 1. Quand on arrive à vivre grâce à de moyens, il faut se redéployer. On a appris, et ça a été fait. On a demandé de mettre en place une équipe de publicitaires pour aller les marchés africains. Encore une fois, ce que j'aimerais vous dire, je ne trahirai pas en parlant de cas où je travaille. C'est un média créé par un chef d'entreprise. C'est un média, c'est un média qui doit faire entrer de l'argent, mais entre nous, combien de personnes qui viennent dont sont prêts à payer la publicité? Vous avez des publicitaires, mais si vous avez des annonceurs, mais s'il y avait beaucoup plus d'annonceurs, vous vivriez de votre métier. Et c'est normal de vouloir vivre de son métier. Vous êtes une entreprise, monsieur Mouketou. Combien d'annonceurs combien vous en avez suffit pour vivre? Non. Donc, un grand média, ou qu'on soit un média moindre, il y a un moyen à trouver. Et on en est là. Donc, laissez d'abord de France. En fait, on met tout dans. Quand on ne comprend rien à quelque chose, la France-Afrique dedans. Non, à un moment, il faut avoir la décence de regarder les choses. Il faut avoir bonne information, aller vers les personnes qui ont la bonne information et arrêter de se fier aux rumeurs. Et puis dans tout ça, je vois qu'en fait, tout tourne autour de l'argent, de l'hégémonie. Je comprends tout à fait. En fait, je suis confuse de constater que après tout ce temps, après tout ce que les Africains nous ont vécu, avec cette France-Afrique qui nous empêche d'avancer, ça, c'est sûr. On ne tire les leçons tirées. Vous voulez monter une entreprise, former, vous ne créez pas une entreprise comme ça. Tiens, ben, j'ai envie de créer quelque chose et puis ça roule. Non, il faut aller comprendre comment ça fonctionne. Là, je prends ma coach. J'ai un jeune Togolais que je coach qui me dit, Madame Dieki, je suis au Togo. Je voudrais être restaurateur. Je voudrais monter mon restaurant. Je n'ai pas les financements. Qu'est-ce que je dois faire? Lui, ce n'est pas la question des financements qui est un problème. Ce n'est pas la question des financements qui est un problème. Si tu veux diriger un restaurant, va te faire employer par quelqu'un qui a un restaurant et va dans la cuisine pour voir comment on fabrique les plats, pour voir comment le chef, le patron du restaurant, tous les matins, il va aller choisir les denrées, les produits qu'il va aller acheter au marché. Il va voir comment on les cuisine. Il va voir comment on négocie je sais pas, de la farine, de blé, des denrées. Et là, tu verras, tu connaîtras la vraie réalité des choses. Tu pourras dire maintenant, c'est un de l'Afrique, en fait. C'est qu'on pense que parce qu'on a beaucoup d'argent, tout est faisable. Non, ça ne suffit pas. Il faut avoir de l'expérience. Il faut se mouiller les mains. Il faut se confronter à la réalité. Ça, en fait. L'Afrique est riche. Pourquoi on n'arrive pas à négocier nos matières premières? C'est la faute à la France-Afrique seulement, vous pensez? Pourquoi on arrive qu'on est dans un monde mercantiliste où c'est la loi du plus rusé qui prime? Oui, France-Afrique, d'accord. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint? Ou alors, on se met ensemble, on crée une entreprise, on se forme et on apprend à travailler ensemble. Et on crée de la richesse ensemble. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous répondre. Mais est-ce qu'on peut dire que la radio panafricaine a commencé sa chute au moment où elle a perdu, comment dirais-je, sa fréquence, car vous qui étiez des dirigeants dans l'incapacité de payer ce qu'on appelle, vous allez m'excuser de la prononciation, elle est Intelsat ou bien Intelsat France ou Intelsat, bien oui.
Bien sûr, Voilà, une telle mais bien salle pour sûr, cela. parce que oui, tout Ou à bien c'est fait. au moment où la Libye, ou bien c'est au moment où la Libye est entrée dans son capital. Oui, en fait, Libye, entre quand il n'y a plus rien à faire, je dois vous le dire. La Libye, on n'a plus rien à faire quand le bateau est déjà, quand le bateau est déjà, enfin, il est au fond de l'eau. On ne peut pas sauver une entreprise comme ça. Intelsat, oui, ben, il y a des factures à payer. Il y a des factures à payer, ce sont de choix stratégiques. Je ne vous entends plus. On vous entend parfaitement. D'accord. Donc, c'est une question de choix stratégique. Je ne la manœuvre, je n'étais pas à la manœuvre à cette époque-là. Ce n'est pas une façon de me défausser. Hein. Je pense que vous avez une mission pour inviter justement les acteurs qui ont Africa numéro 1, qui ont géré Africa numéro 1, les premiers dirigeants. C'est l'occasion d'inviter Monsieur Louis Barthélemy Mapangu, puisque il était le Africa numéro 1. Il serait placé que moi pour répondre à ces questions-là. Moi, ce que je c'est quand on crée une entreprise et un média comme Africa numéro 1, oui, il faut faire des choix stratégiques. Et quand on est dépendant de l'État gabonais, à un moment, on doit se dire, bon, 20 ans, on va travailler avec l'État gabonais, on mettra de la pour pouvoir nous déployer de façon autonome. C'est comme ça qu'on réfléchit. Mais on n'a pas réfléchi comme ça. On n'a pas réfléchi comme ça. On ne peut pas s'appuyer sur une. C'est comme nos pays, on s'appuie sur le pétrole. Au moment où le pétrole va, les pays occidentaux n'en voudront plus de ce pétrole-là. Ça commence maintenant. Toujours une question de choix stratégique, de regarder l'environnement, de prendre des décisions en connaissance de vous. Vous n'avez pas enfermé dans sa gloire. Oui, on est une grande radio et puis ça s'arrête là. Non, non. Et je pense que. Je ne pointe pas un doigt accusateur sur les dirigeants d'Africa numéro 1, le pointe sur moi, tout à fait, mais je pense que c'est le propre de beaucoup de personnes. En fait, quand face à de la table, on fait le et on que les choses vont s'arranger. Non, elles ne vont pas s'arranger d'elles-mêmes. Des efforts quand même du PDG d'Africa numéro 1 pour trouver les financements, mais il l'a fait quand c'était trop tard. Quand on a une entreprise, quand on a la vision, une vision stratégique, prospective, on se dit, bon, pendant 5 ans, voilà comment je vais fonctionner. Mais je réfléchis déjà à comment je vais fonctionner. C'est ce qui n'a pas été fait. C'est ce qui n'a pas été fait, tout simplement. Alors, vraiment, vous allez m'excuser, j'y reviens encore. Vous Ah, savez, oui, allez-y. j'essaie d'apprendre sur le tas, comme on le dit. Ce grand métier que vous exercez, le journalisme, hein? Donc moi je suis géographe, animateur de l'émission, mais je reviens encore parce que je ne suis pas encore satisfait. Vraiment, madame Eugénie Nikin, sans langue de bois, je dis bien sans langue de bois, êtes-vous d'accord avec certains de vos compatriotes africains qui ne cessent d'affirmer qu'il y a eu un coup d'État médiatique ourdi depuis l'Occident contre Africa numéro 1? Je ne suis pas d'accord. N'êtes pas d'accord. Vous voulez que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous Je vis en insistez qu'il n'y a France. pas eu un Vous coup savez, d'État. Il n'y a pas eu un coup non, d'État, non, un non, coup d'État contre l'Afrique. non, non. Vous Pourquoi? savez qu'il y a Pourquoi? des auditeurs Pourquoi? qui Pourquoi? font Pourquoi savoir les la choses. France? Pourquoi la France va faire un coup d'État? Africa numéro 1, dans la mesure où lorsque Africa numéro 1 existe, pendant son heure de gloire, la France, RFI, est diffusée parce qu'elle paye Africa numéro 1, donc elle paye les abonnés, elle paye donc, les fréquences, la fréquence à Moyabi, elle paye Moyabi, Africa numéro 1, pour pouvoir aimer le monde entier. Vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe là? Vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe? Deuxième chose, vous savez, même si RFI, je mets ça entre guillemets, alors si RFI fait un coup d'État à Africa numéro 1, pourquoi il y a des personnes comme Alaa qui, quand même, ont un ton, un langage parfois anti-français qu'on maintient? Il faut réfléchir aussi à part deux fois.
Est-ce que RFI a besoin de tuer Africa numéro 1 dans la mesure où nous-mêmes, nous ne savons pas la force que nous avons entre les mains? Nous sommes riches, nous ne savons pas gérer, mais quand ça touche à l'autre. Non, je ne pense pas. RFI est déjà engluée dans ses propres problèmes de trouver une vision elle-même, de se redéployer par rapport à RFI. Et même si ça semble un argument final, et même si RFI avait fait un coup d'État à Africa numéro 1, RFI ne serait pas Africa numéro 1. Vous constaterez qu'il y a une désaffection de ce média par beaucoup d'Africains. Vous le remarquerez. Elle n'a même pas besoin de faire un coup d'État africain numéro un dans la mesure où ce qu'elle dit parfois ne correspond pas aux attentes des gens, des Africains qui écoutent. Est-ce que vous me suivez? Africain Je coup me suis d'État parfait. à Africain numéro un. Quel intérêt à faire un coup d'État à Africain numéro un? D'accord. Alors, Ça n'a aucun malgré. sens. Oui, madame Eugénie Déki, selon nos informations, bon, comme on le sait, hein, malgré la qualité de ces journalistes, c'est votre cas, les dirigeants respectueux, qui étaient conscients, qui voulaient protéger, qui voulaient pérenniser cette radio, ces journalistes et techniciens professionnels, très professionnels, donc je disais, cette radio, comme je le disais dans mon propos introductif, est devenue l'ombre d'elle-même. Et on nous laisse entendre, selon nos sources, qu'en avril 2019, la station Africa numéro 1 de Paris a changé de nom et est devenue Africa Radio, comme je disais. Et selon nos sources, mais à partir de 2011, Africa numéro 1 n'était plus diffusée sur le continent africain. Et voilà la cause. En cause, une soi-disant ardoise de seulement 20 millions de francs CFA, soit 300 000 euros qu'il fallait payer aux fournisseurs d'accès français. Alors, Tout à Madame fait. Eugénie Déki, est-il vrai que les actionnaires libyens ont refusé de payer? Et c'est exact que l'État gabonais, selon nos sources, s'est engagé à régulariser la situation et à injecter 150 millions de francs CFA. Je ne sais pas combien ça fait en euros chaque mois dans la structure radiophonique, mais que le projet n'a pas abouti. Est-ce que vous le confirmez? Alors, Vous le confirmez? je ne vais pas parler à la place des personnes qui étaient en tractation avec l'État libyen. Je n'y étais pas, je n'y ai pas participé. Ce que je sais, c'est que pour le cas de l'État libyen, selon quelques informations que j'ai pu recueillir, vous ne pouvez pas venir financer un média, renflouer un média pour payer une dette. Ça n'a pas de sens. Je pense que c'est l'État gabonais voulait, c'est-à-dire, bon, écoutez, je pense que l'État gabonais n'a pas été sérieux. Je dis l'État gabonais, c'est les personnes charges de ce dossier-là. C'est pas sérieux. Est-ce que vous pensez, monsieur Mouketou, que vous voulez racheter un média pour pouvoir l'utiliser avant de pouvoir vraiment être dans la partie qui décide? Il faut que vous payiez les dettes de c'est pas sérieux. Donc il y a eu quand même marché de dupes. Il y a eu de dupes. C'est pas normal. Moi, l'entreprise, j'ai un partenaire. J'ai dit, je veux être partie prenante du média. Le partenaire, tu peux le faire, mais à condition que tu aies. Est-ce que c'est En plus, on vous dit oui, on vous fait attendre, on vous fait balloter.
Je pense que ce monsieur, j'ai une fois communiqué avec lui depuis Paris, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il dit que j'attends que l'État gabonais soit sérieux, que pour que je contribue efficacement, que je sois à relancer numéro un. Ce sont les informations que D'accord. Alors, en 2016, plus précisément en février 2016, il y a eu une grande grève hein, dans les locaux donc d'Africa numéro 1, et cette grève a été menée par un personnel qui ne cessait de dénoncer la dégradation donc de vos conditions de vie à cette époque de travail, et il y a des salaires qui n'étaient pas payé depuis plusieurs mois. Et en mai, toujours de la même année, donc en 2016, le personnel avait voté, selon nos informations, la fin de la grève générale et les programmes. Est-ce que vous étiez à cette époque, autrement dit, est-ce que vous ne pensez pas que c'est cette grève qui a tué vraiment Africa numéro 1 pour des motifs de droits sociaux? Alors, je n'y étais pas encore, donc je ne peux pas parler à la place des personnes qui étaient présentes et qui fait cette grève-là. Mais connaissant la situation, c'est très difficile. Vous travaillez avec passion. Dire ici que cette radio m'a beaucoup, elle m'a beaucoup apporté à l'heure que vous êtes, et c'est pour ça que je suis là en face de vous, en train d'être appelé l'ancienne gloire ou nous. C'est pas un problème, mais je dis, cette radio est frise pour beaucoup d'entre nous. Nous avons appris, et c'est ce qu'il faut retenir, nous avons appris le sens du professionnalisme. Nous avons démontré qu'une entreprise de qualité, une entreprise médiatique de qualité qui pouvait parler aux Africains et au monde entier, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous aimez votre métier, vous n'êtes pas payé pendant des mois et des mois, des mois, des années entières, 6 mois, 1 an. Vous faites grève, c'est tout à fait légitime d'entrer en grève quand on n'a plus son salaire. C'est tout à fait normal. Maintenant, moi, si j'avais été, si on m'avait de participer à cette. Ce que je c'est à plat et qu'on recommence à zéro. Parfois, partir en fait de l'aventure d'une entreprise. Dans un couple, monsieur, madame, monsieur a trompé madame, madame a trompé monsieur, l'amour est toujours là, la flamme de l'amour est toujours là. Qu'est-ce qu'on fait? On va marcher avec la rancœur. On dit, écoute, sincèrement, les gens, on s'aime, on a des enfants, les gens nous admirent. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on met tout à plat. Et on fait l'effort de dire, bon, OK, on met ça en perte et profit et on recommence. Moi, j'aurais, si on avait demandé de négocier avec mes collègues, j'aurais dit, écoutez, et c'est dans mon plan de restructuration. C'est dans mon plan de restructuration. Moi, j'ai proposé Africa numéro 1 aux dirigeants, j'ai dit, écoutez, il va falloir faire table rase du passé. Il va falloir faire une liquidation. C'est comme ça qu'on fait, on liquide tout. Et on repart et chacun. Dans le plan de restructuration que j'ai proposé au dirigeant d'Africa numéro 1, j'ai dit, moi je suis prête même à rester 2 ans sans salaire. Juste, je suis prête à rester 2 ans sans salaire. Mais donner juste l'autorisation de reprendre le média, de reprendre les bâtiments, de les restaurer, de nous donner un moyen de travailler. Parce que Africa numéro 1 a créé un vide. Et ce vide-là, personne, à part Africa numéro 1, ne pourra le combler. Parce que Africa numéro 1 est resté dans nos mémoires, dans les mémoires de tout le monde. Et on sait Africa numéro 1. Donc moi, chacun doit faire sa part. Chacun, quand on est dirigeant, chacun doit faire sa part de sacrifice. Chacun doit apporter sa contribution, prête à la faire. Et je sais que si j'avais été là, je sais que j'aurais convaincu et la direction et mes confrères qui sont tout à fait dans leur légitimité de gréver, de se calmer et de se dire, on va reconstruire on va reconstruire pas des ruines, mais on va reconstruire sur de nouvelles bases.
Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Je n'étais pas présente pendant la grève. La grève est légitime. On ne peut pas rester des mois entiers sans. C'est en fait ce qui est le plus choquant. C'est qu'on vous berce d'espoir. C'est ça, en fait, le plus choquant. C'est qu'on ne vous donne pas d'explication. On vous tourne en bourrique. C'est ça qui est le plus choquant. C'est mieux de dire, écoutez, non, il n'y a pas d'argent. On ne sait pas comment faire plutôt que nourrir les gens d'espoir. C'est ça qui fait le plus mal. D'accord. Bien. Merci, Madame Eugénie Diki. Hein. Je voulais rappeler que nous sommes très suivis à l'échelle donc de la radio, à l'échelle du monde. Hein. Il y a beaucoup d'auditeurs et auditrices qui nous suivent, même sur des radios partenaires comme Afrique 2050 et Radio PDCI RDA. Nous avons aussi d'autres radios qui retransmettent donc cette émission en direct, en dehors de notre réseau donc de la télévision. Justement, en août 2008, comme vous le savez, il y a eu une première grève qui avait donc éclaté. Et dans le plan de privatisation donc de la radio Africa numéro 1, conséquence du rachat par la Libye, il y a eu les fonds qui étaient consacrés au licenciement. Je crois qu'il était, d'après nos informations, 15 fois inférieur à ce qui avait été espéré. Est-ce que vous confirmez cela? Avouez-vous que, est-ce qu'on peut avouer, est-ce qu'on peut dire la vérité en disant que personne, en fait, Madame Eugénie Diki, n'avait intérêt à ce que Africa numéro 1 survive? N'est-ce pas? Le fait qu'Africa numéro 1 survive, dites-moi, ça dérangeait la France? J'ai déjà répondu à cette question concernant la France ou la France-Afrique. Oui, je reviens sur cette question parce que je constate que il y a des Africains qui ont une radio qui a 30 millions d'auditeurs. 30 millions d'auditeurs. C'est pas... Oui. Pour un continent, c'est énorme. Et puis, vous aviez la pub. Il y a la pub. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, on suivait La Voix de l'Amérique, on suivait Africa numéro 1, même RFI, là. On ne suivait pas cette radio, étant étudiant. Donc, on avait des journalistes. Vous voyez, par exemple, là, je me souviens, quand j'étais étudiant, quand il y avait des matchs de football, comment il s'appelle, le Métis qui retransmettait, le Gabonais, Léo Follet. Mais c'était dans les universités africaines. C'était de grands moments. C'était de grands moments. Mais c'était de grands moments. On était fiers, on était contents de voir. On y avait des Sénégalais qui retransmettaient des matchs quand il y avait la Coupe d'Afrique, je ne sais pas, en Afrique de l'Ouest. C'était les Sénégalais, d'autres journalistes. C'était vraiment formidable pour le continent africain. C'est pourquoi moi je dis, est-ce qu'on peut avouer que personne n'avait intérêt à ce qu'Africa numéro 1 survive? Écoutez, si vous voulez que j'entre dans cette direction-là, faire plaisir à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de peut-être soulager leur conscience ou se dire si Africa numéro 1 est tombé, c'est bien la faute de quelqu'un d'autre, de l'étranger. Écoutez, je veux, oui, ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas mon conviction personnelle, je ne pense pas. S'il y a une responsabilité de l'enfance, elle est, j'ai envie de dire, elle est vraiment, vous savez, on n'est tellement pas respecté, on ne sait tellement pas préserver nous-mêmes nos acquis, que la France n'a même pas à faire des efforts pour nous détruire. Maintenant, ce serait pas du tout normal que je dise que la France n'a rien à voir avec le fait qu'Africa numéro 1 soit tombée ou que l'Afrique aille mal. Oui, mais là, c'est dans un système structurel concernant Africa numéro 1. Un exemple, on continue à ne pas parler nos langues. Qu'est-ce qui nous empêche? Au niveau du Gabon, au niveau de l'Afrique, de dire, bon, maintenant, prendre le Swahili pour avoir une langue qu'on va imposer au monde entier, ou qu'on parlera entre nous. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Est-ce qu'on attend que nos politiques le fassent, alors que nous sommes des citoyens, nous sommes de la société civile,
on puisse se dire que nous avons des instruments. Là, vous et moi, nous, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui nous empêchent d'exister par nous-mêmes. Nous, en incapacité. Qu'est-ce qui nous empêche par nous-mêmes, là, tous, là, de se dire, mais nous sommes millions. On peut recréer Africa numéro 1. Qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce qui nous empêche? Aujourd'hui, il faut comprendre les enjeux. Même on est en train de remettre en cause démocratique en France. On sait que maintenant nos dirigeants, ils nous ont tellement abusé de cette démocratie-là que maintenant, vous voyez, aujourd'hui, c'est législative d'abstention. Les Français ont préféré aller à la pêche que d'aller voter. C'est révélé que le monde est en train de changer et que le pouvoir maintenant appartient aux citoyens. Mais il faut que les citoyens ne soient pas comme les dirigeants. Il faut que nous ayons le courage de dire quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble à travers des réseaux sociaux, à travers... On peut le faire, mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Moi, c'est un appel que je vous lance. Plutôt que de toujours dire c'est la faute à la France, pourquoi on ne prend pas le courage? On se dit, pourquoi ne pas créer un média? Pourquoi ne pas recréer Africa numéro 1? Tous ensemble. Voilà, justement, je reviendrai sur cette question, puisqu'il me reste à peu près une dizaine de minutes. Je vais vous reposer cette question sur les informations que nous avons reçues sur cette radio qu'on aimerait donc, semble-t-il, relancer. Alors, les trois dernières questions. Au début, dans mon propos introductif, je parlais de l'Afrique, ses héros, ses intellectuels, ses grandes figures, et je posais la question suivante. Où sont passées les fréquences de Mama Africa? Et j'aimerais dire qu'en 2009, Madame Eugénie Déki, le ministère de la communication de votre pays, d'origine au Gabon, avait même annoncé au monde entier la création d'une chaîne de télévision sous le label Africa numéro 1. Est-ce que vous ne pensez pas que nous avons encore perdu l'occasion de créer un grand média panafricain au fond? Oui, je le crois, mais je crois savoir que après les obsèques de Patting et donc dans 5 ans, des discussions sont en cours pour relancer, de créer la radio et la télévision. J'en suis. Je n'ai pas plus d'informations que vous, et ça, je vous l'assure. Donc, j'attends. J'attends que les choses se fassent, que les choses se décident. Voilà. Je me rappelle, il y a quelques années, 2 ans, je suis allé rencontrer l'ancien ambassadeur du Gabon en France, Monsieur Flavien Enon, à qui j'avais parlé d'Africa numéro 1. Je lui avais dit, ambassadeur excellent, j'ai un plan de restructuration qui, à mon avis, peut relancer Africa numéro 1, mais je ne peux pas le faire seul. Donc, j'ai commencé à discuter, et puis il y a eu un changement de gouvernement. Et tout ça est à revoir et à refaire. Des personnes comme moi, comme d'autres collègues qui veulent relancer Africa numéro 1, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut l'accord de l'État. Il faut l'autorisation de l'État. Il faut se mettre autour d'une table. Il faut travailler avec les professionnels, avec ceux qui connaissent le dossier. Et à partir, encore une fois, c'est une question de courage, une question de volonté aussi. C'est une question de tous aussi. Est-ce qu'on fait suffisamment de pression au gouvernement? Est-ce qu'on fait bien pression pour que, justement, Africa numéro 1, nous le nouveau Africa numéro 1 de ses cendres? Alors, mais maintenant, pourquoi l'Afrique, pourquoi le continent africain n'arrive-t-elle pas à soutenir, comme je le disais, de manière pérenne, ces intellectuels, ces grandes figures, ces journalistes, à l'instar de vous autres, hein, d'Africa numéro 1? Comment vous expliquez cela? Alors, personnellement, je me sens non soutenu. Je ne pense pas. Il y a beaucoup de gens qui reconnaissent le travail que j'ai fait, mon professionnalisme, et puis aussi des autres confrères,
Non, on est soutenu, en fait. On manque à beaucoup de personnes. Simplement pas à qui nous adresser pour relancer Africa numéro 1. C'est tout simplement ça. Bien, alors, on a créé un groupe WhatsApp, on se rencontre, on se rencontre régulièrement, on discute régulièrement ce groupe où on parle justement de comment on peut. Mais il faut que tu nous écoutes. Faut que tu nous écoutes. D'accord. Tout Alors, simplement, on ne peut pas créer, on peut pas rester Africa numéro 1 tout seul. D'accord. Alors, la faillite de cette radio, donc Africa numéro 1, mesdames et génies d'équipe, est-ce que ça montre pas que l'Afrique, surtout cette Afrique francophone, n'est que, vous me permettez l'expression, le terreau des batailles ou des guerres perdues d'avance contre le colonialisme médiatique? Oui et non. Actuellement, nous sommes en train de discuter. Il n'y a pas une bombe qui va être déposée dans nos studios parce qu'on parle de l'Afrique. Non, je ne pense pas. Nous mettions en danger les intérêts de la France en disant ce que vous pensez, moi également, et ce que les questions des internautes. Donc, on n'est pas menacé parce qu'on parle de la France ou de la France-Afrique. Et c'est justement que la France, et je pense, en train de comprendre qu'elle a perdu du terrain en Afrique. Elle est en train de le perdre. Et je pense que c'est un juste retour des choses. Mais il ne faut pas qu'on laisse Pirac. Faut pas qu'on se dise. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on dit oui, on laisse France, il y en a marre. L'armée, enfin tout ce qui symbolise la France-Afrique, la monnaie, etc. Il faut pas qu'on laisse pour la Russie, parce que le pays est à la mode, parce que Poutine semble être pour l'Afrique. Non, c'est le moment de se dire, ben maintenant on va fabriquer, on arrête avec le blé importé, on arrête le blé de Russie, on arrête de l'Occident. Vous avez par exemple les tubercules, hein. Vous n'avez pas besoin du blé de Ben oui, l'Ukraine, de la Russie. Vous avez des tubercules au Cameroun, bien au sûr, Gabon, au Congo. bien sûr. Vous pouvez faire le Mais pain, en oui. fait, il faut. Je pense que et c'est ça le miracle d'Africa numéro 1, c'est qu'on a quand même. Ça a été. On a en fait réussi à dévier les consciences des Africains, les Africains sur l'hégémonie structurelle dans laquelle nous sommes. Maintenant, nous avons les armes pour nous passion. On crée des médias. Écoutez, là c'est magnifique qu'on puisse parler, dialoguer, parler de ce qui nous concerne. Mais après avoir, quand on a la bonne information, on prend les décisions. C'est ça qu'il faut faire. Moi, c'est là où je veux faire attention à ne pas accuser la France. Oui, parce que la France a part de responsabilité dans ce qui nous arrive. OK. Mais il faut qu'on aille chercher la Russie ou la Chine ou comme nouveau partenaire sans nous être autant sur nos richesses à nous. Il faut qu'on soit autonome. Il faut qu'on soit déjà autonome sur le plan alimentaire. Vous vous rendez compte, au Gabon, vous allez au marché de Mombouët, je ne sais pas si ça a changé, mais il y a encore des étrangers qui sont là. C'est eux qui nous nourrissent. Et rien que le budget journalier de ces commerçants, que je respecte par ailleurs, parce qu'on se nourrisse. Ils occupent un terrain qu'on ne veut pas occuper. Quel Gabonais va accepter d'aller au marché de Mombouët, vendre de la viande? Il y en a quelques-uns. La plupart, ils vont dire non, ce n'est pas pour moi. Comme M. Mouketou, je veux être enseignant de géographie, je veux être enseignant d'histoire. Quel Gabonais accepterait d'aller à Mombouët, aller vendre la viande de mouton à son compatriote gabonais? Pour un Gabonais, c'est honteux à ce niveau-là. C'est une question de mentalité. N'est-ce pas? Eux, les étrangers, et qui ont compris que c'est pas pas de couleur, l'argent, tu gagnes ton pain à la sueur de ton front, c'est pas le qui compte, c'est le fait que les étrangers qui sont chez nous,
ils prennent les places que nous ne voulons pas. En une journée, ils font le budget, je ne sais pas, d'un mois, tous les jours. Je n'ai pas vérifié, mais regardez la richesse qu'ils engendrent, ces étrangers, notre propre pays. Les Français, mais dans notre propre pays, ils nous démontrent, ce sont les Africains, c'est les Noirs, qu'on peut être riche ailleurs que chez soi. On en tire les leçons. Quand on aura des Africains, des Gabonais qui qui sont fiers de vendre des pagnes au marché de Montboite. Quand est-ce qu'on sera fier des Africains qui seront fiers d'avoir une entreprise agricole? Quand est-ce qu'on sera fier de porter nos vêtements? Quand sera fier de parler notre langue? Quand est-ce qu'on va arrêter d'aller en rang serré, aller supplier un président russe ou un président anglais, pour dire venez à notre secours. Quand est-ce qu'on va mettre en avant notre pharmacopée traditionnelle? Quand est-ce qu'on va mettre en avant les jeunes qui sont tellement inventifs? Quand est-ce qu'on va mettre en avant notre culture, les artistes, la pierre de Migou, le raffia? Quand est-ce qu'on va ne plus consommer le blanc est supérieur à nous? En fait, on sait qu'il n'est pas supérieur. On crée qu'il est supérieur à nous. Que le lien au Gabon, négocier pour ouvrir une université. Vous allez aller dans son université pendant qu'un Gabonais comme vous, vous allez au Gabon ouvrir une université pour la géographie. Personne ne viendra. C'est ça le vrai problème. Et la France, la France-Afrique, elle surfe là-dessus. Il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. Vous savez, on m'a demandé comment ça se fait que vous soyez africaine, noire, femme et dirigeante en France. Regardez la question d'un journaliste. C'est pas normal. Je dis, mais attendez, c'est parce que je viens d'Afrique et que je suis une femme, je suis incapable. Donc, même question, ça démontre notre schizophrénie. D'accord. C'est exactement ce qui mine l'Afrique. Madame Eugénie Diki, nous arrivons donc au terme de cette émission. Hein. Tout ce qu'on peut retenir, in fine, avant de vous donner la parole pour présenter votre mot de la fin, in fine, que dirais-je, l'infériorité numérique ne doit pas être un handicap insurmontable au Gabon ou bien en Afrique parce que nous ne sommes pas nombreux au local du Gabon. Africa numéro 1 devrait être un instrument d'influence géopolitique du Gabon. Africa numéro 1 devrait être aussi un instrument d'influence géopolitique pour tout le continent africain. Cette radio panafricaine doit être relancée, je dis bien doit être relancée, car c'est une niche d'emploi pour le Gabon, une niche pour l'Afrique. Le Gabon et l'Afrique doivent être un hub médiatique. Voilà donc ce que nous pouvons dire à notre niveau. Alors, Madame Eugénie Diki, merci en tout cas d'avoir honoré notre invitation. Mais avant de vous libérer, on vous laisse présenter votre mot de la fin. Mais écoutez, je ne ferai pas mieux que vous. Je pense que c'est le bon moment pour qu'Africa numéro 1 renaisse, non pas de ses cendres, mais que Africa numéro 1 revienne, reprenne la place qui n'a pas été occupée par aucune radio, en tout cas ma connaissance, aucune radio africaine. Possible, c'est possible. Et je lance un appel justement aux dirigeants, à mes compatriotes, aux auditeurs d'Africa numéro 1 qui ont connu ces médias, à s'engager à une réflexion pour relancer Africa numéro 1 de façon vraiment solide. Et très sincèrement, M. Mouketou, je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer sur ce média, sur Africa numéro 1. Soyez remerciés, vous et toute votre équipe et tous les médias qui concourent à la diffusion de cette émission. Voilà, tous mes remerciements très sincères et au nom de mes confrères, merci grandement de les avoir honorés.
honorer ceux qui sont partis. Encore une fois, ça a été une belle aventure Africa numéro 1. Vous avez été tous, autant que vous êtes, vous les auditeurs, les meilleurs auditeurs. C'est-à-dire que je fais de la télé, de la radio, je fais de la télé maintenant, mais aussi de la radio, mais les Africains sont vraiment, vous êtes des personnes puissantes, ingénieuses, et c'est ça qu'il faut de retrouver pour impacter davantage le monde, que justement, Africa numéro 1 redevienne un instrument géostratégique et qui contribue à la gloire de l'Afrique, à la gloire de l'Afrique, une Afrique renaissante. Je vois des choses se passer. Le fait qu'il y ait un média comme le vôtre, d'autres médias qui soient créés, ça contribue justement à éveiller les consciences, à réveiller et à révéler justement le potentiel qu'il y a en chacun de nous. Donc, merci infiniment de m'avoir invité. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Les questions qui sont restées en suspens, moi, je vous propose d'inviter peut-être Jean-Valère Bina Manza, qui a été directeur de l'information, qui connaît mieux le dossier que moi, ou une autre personnalité d'Africa numéro 1 qui pourrait répondre à cette question sur comment est tombé Africa numéro 1. Je pense qu'il y a des questions en suspens, mais il y a d'autres confrères plus habilités que moi à répondre à ces questions-là. Bien. Eugénie Déki, merci beaucoup encore d'avoir honoré notre invitation. Et je dis aussi grand merci aux producteurs de cette émission, BO, depuis Chicago. À très bientôt. Délivré. Oui, c'est mon saison, je suis béni, je suis.